Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim. Et aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le petit Moïse ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 136, verset 1. « Dites merci au Seigneur ». Regarde le bébé, c'est Moïse. Il gazouille et il est très content. Sa maman, Jochibed, l'aime. Sa grande sœur, Myriam, l'aime aussi. Et son grand frère, Aaron, montre la garde parce qu'il aime aussi Moïse. Merci Seigneur pour le petit Moïse. Nous ne pouvons le crier sur tous les toits, ni même te chanter des louanges, mais nous te disons tout de même merci. Le bébé pleure. Chut, fais silence, ne pleure pas. Maman est là, grande sœur est là, et grand frère est là aussi. Il veille. Chut, personne ne doit savoir qu'il y a un bébé spécial ici. Les méchants ne doivent pas t'entendre pleurer. Chers amis, Dieu protégera Moïse et te protégera aussi. Moïse grandit. Sa mère ne peut plus le cacher dans la maison. Alors, elle fabrique un tout nouveau berceau pour lui. Un berceau spécial. Une corbeille qui flottera sur l'eau. Elle sera la cachette de Moïse. Chut, dit le grand frère. La corbeille est un secret. Chut, dit la grande sœur. Nous le dirons à personne. La corbeille est sur l'eau. Elle danse sur l'eau et dans la corbeille, le petit Moïse. Maman Jochibed ne peut plus rester surveiller son bébé. Mais Myriam surveille la corbeille du petit Moïse. Elle n'est pas toute seule. Les anges de Dieu le surveillent aussi. Merci mon Dieu de veiller sur le petit Moïse. Merci de veiller aussi sur nous. Cache-toi, Myriam, cache-toi. Quelqu'un arrive. Chut, tais-toi, bébé. La princesse s'approche du fleuve. Mon Dieu, protège le petit Moïse, s'il te plaît. Merci pour tes anges qui veillent sur lui. Qu'ils veillent aussi sur nous. Regardez, le petit bébé hébreu, dit la princesse. Il a peur, il pleure. Ne pleure pas, mon petit chéri. Pendant ce temps, regarde Myriam. Elle court vers la princesse. J'appellerai une femme chez les Hébreux pour prendre soin du bébé, princesse. Oui, oui, s'il te plaît, va vite en chercher une. C'est bien gentil de ta part, répond la princesse. Regarde. Moïse sourit. La princesse donne Moïse à sa maman. « Prends bien soin de lui, dit-elle. » Dieu a envoyé ses anges pour prendre bien soin du petit Moïse. Et maintenant, il est heureux avec sa maman. Remercions Dieu parce qu'il prend bien soin de nous en chantant notre verset à mémoriser. « Dites merci au Seigneur, dites merci au Seigneur. » Dites merci au Seigneur, dites merci au Seigneur. Prions. Tendre Père Céleste, je te remercie d'avoir pris soin du petit Moïse. Je t'aime Seigneur, tu prends aussi bien soin de moi. Je te louerai toujours au nom de Jésus. Rappelle-toi, Dieu est toujours avec toi. Alors tu peux toujours le louer avec un cœur reconnaissant. Au revoir. Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Eau amère, eau douce ». Notre verset nous dit « Il les conduira vers les sources d'eau vive ». Il se trouve dans l'Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible, le chapitre 7, le verset 17.
Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour l'eau qu'il nous donne. As-tu déjà eu soif? Mais vraiment très très soif! Tu sais, les enfants d'Israël pensaient qu'ils allaient mourir de soif. Les Israélites étaient contents. La grande colonne de nuée les avait dirigés hors d'Égypte. Fini l'esclavage! Ils la suivirent tandis qu'elle les guidait à travers la mer Rouge et dans le désert. Mais après 3 jours de marche dans le désert, ils vidèrent jusqu'à la dernière goutte l'eau qu'ils avaient apportée d'Égypte avec eux. Les enfants avaient soif. Les adultes aussi. Les animaux avaient soif. Tous dans le camp avaient très, très soif. La colonne de nuée les conduisit à un lieu appelé Mara. Moïse, qui avait été berger pendant 40 ans, connaissait bien la région. Il savait qu'il y avait de l'eau à Mara, mais il savait aussi que son goût était si mauvais que les gens ne seraient pas capables de la boire. En fait, le mot « Mara » signifie « amer ». Quelque chose d'amer a un goût très mauvais. Mais les Israélites ne savaient pas cela, et quand ils aperçurent les sources d'eau, ils furent très contents. « Ah, de l'eau, de l'eau! Il y a de l'eau devant nous !» crièrent-ils. Certains d'entre eux se précipitèrent vers l'eau, mais dès qu'ils la goûtèrent, leur bonheur s'échangea en déception. Maintenant, ils avaient plus soif que jamais. Ils commencèrent à murmurer contre Moïse et à se plaindre. Moïse savait que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il savait que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Alors, il pria Dieu et lui demanda de l'aide. Dieu dit à Moïse de trouver un morceau de bois et de le jeter dans l'eau. Moïse fit ainsi et l'eau devint douce. Les Israélites se précipitèrent de nouveau vers l'eau. Cette fois, ils furent vraiment contents et ils burent autant d'eau fraîche qu'ils voulurent. Les enfants, les adultes et les animaux burent à volonté. Dieu avait fait ce miracle pour répondre à leurs besoins, incluant ses grands besoins d'eau dans le désert. Ils remercièrent Dieu et le louèrent pour sa bonté. Tu sais, Dieu répond à nos besoins, tout comme il a répondu à ceux des Israélites. Il s'assure que nous ayons assez d'eau et de nourriture et un endroit sécurisé pour dormir. Il nous donne une famille et des amis. Il nous donne de l'air à respirer. Peut-être nous n'avons pas tout ce que nous désirons, mais Dieu nous fournit ce dont nous avons besoin. Remercions-le de ce qui répond à tous nos besoins. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le temps de prier ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 5, verset 16. Jésus se retirait dans le désert et priait. Parles-tu souvent avec ton meilleur ami? Une ou deux fois par jour? Jésus avait un ami auquel il avait besoin de parler chaque jour. Qui était-ce d'après toi? L'homme criait. « Impur, impur !» Il avait depuis bien longtemps remarqué la première petite tache blanche, puis d'autres plaques étaient apparues et il était allé se montrer au sacrificateur. Il avait alors entendu ces mots terribles « Tu as la lèpre !» Il avait dû quitter sa famille et sa maison et chaque fois qu'il s'approchait d'une ville, il devait crier « Impur !» Un jour, le lépreux entendit dire que Jésus guérissait la lèpre. Était-ce vrai ? Jésus pourrait-il le guérir? Peut-être pourrait-il le soigner? Le lépreux ne savait pas comment trouver Jésus, mais il voulait essayer. Il pouvait s'approcher des villes et ainsi il le chercha dans les petites villes. Il passait par les petits sentiers de montagne que personne ne fréquentait. Finalement, il trouva Jésus en train de parler à des gens rassemblés au bord d'un lac. Il resta à l'écart de la foule et observa. Il vit Jésus guérir des gens. Il entendit ces mots aimables. Son espoir devint foi. Il croyait que Jésus pouvait vraiment l'aider. Cet homme commença alors à se rapprocher de la foule, oubliant qu'il n'en avait pas le droit. Il ne pensait qu'à une chose, être guéri. Quand les gens l'aperçurent, certains se sauvèrent. D'autres lui crièrent de partir,
D'autres encore essayèrent par tous les moyens de l'empêcher de s'approcher de Jésus. Personne, bien sûr, n'osa le toucher, mais le lépreux n'était pas arrivé si près du but pour abandonner maintenant. Il tomba à genoux, disant « Seigneur, je sais que tu peux me guérir et me rendre pur, si tu le veux. » « Je le veux, » dit Jésus en touchant cet homme, « sois guéri. » « Il m'a touché, » pensa l'homme. « Personne ne m'avait touché depuis si longtemps. » Il regarda son bras. Les taches blanches avaient disparu. Il n'y avait plus aucune plaie sur tout son corps. Sa peau avait retrouvé sa couleur normale, exactement comme celle des gens qui le regardaient. « Va maintenant te montrer au sacrificateur, » dit Jésus, « qu'il te déclare pur et donne une offrande de remerciement. » Mais ne raconte à personne ce que j'ai fait pour toi. » L'homme fit tout ce que Jésus lui avait dit, sauf une chose. Il le raconta à tous ceux qu'il rencontra. Et encore plus de gens cherchaient à rencontrer Jésus. Ils le suivaient partout. Jésus avait besoin de moments de tranquillité pour parler avec Dieu. Il s'éloignait souvent discrètement des personnes pendant le temps qu'il lui était nécessaire pour prier, le temps de parler avec son Père. Il cherchait des endroits tranquilles pour ne pas être dérangé par la foule qui s'attroupait autour de lui. Souvent, Jésus se levait quand il faisait encore sombre pour parler avec son Père. Parfois, il priait toute la nuit. Son endroit préféré était le jardin de Gethsémané. Les gens exigeaient tellement de lui. Il savait qu'il avait besoin de la force et de la sagesse de Dieu. Il priait donc chaque jour. Chaque jour, il s'isolait de la foule pour passer un moment tranquille avec Dieu. Nous pouvons nous aussi recevoir de Dieu la sagesse et la force. Nous avons nous aussi besoin d'un moment de prière quotidien. Si nous prions et adorons Dieu tous les jours, il sera avec nous. Abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.